Manger, boire, rire avec modération, la boisson, c'est pas moi qui le dis, c'est ce grand espace ouvert il y a quelques jours. Bienvenue ici à la Boca Food Court, 1300 mètres carrés, 14 restaurants et un concept unique dans ce quartier qui est en train de renaître ici, Quai de Paludat, à quelques mètres de la gare, le quartier Euratlantique. Et on va à la rencontre du directeur. C'est lui, le jeune directeur de cet immense espace, Alexandre Viau-Foulon. Merci de nous accueillir, monsieur le directeur, avec un bon verre de vin. Alors, cette devise, manger, boire, rire, c'est vraiment votre désir ici de créer ce lieu simple et totalement nouveau. Exactement. La volonté ici, c'est de créer un lieu de partage, un lieu de vie, un lieu d'échange. Les gens sont à table, mangent entre eux. Et très naturellement, souvent sur la fin du repas, les gens commencent à échanger avec les personnes qui sont juste à côté. Et naturellement, finissent un petit peu debout. Enfin, c'est vraiment un lieu de vie, un lieu de rencontre. C'est incroyable ici, hein, Alexandre, parce qu'avant, c'était les abattoirs ici, des grands abattoirs. C'est devenu maintenant un lieu branchouille, un lieu un peu bobo. Et surtout, oups, j'ai failli renverser mon verre de blanc. Et surtout, un lieu unique pour l'instant, parce que c'est le premier concept food court en France. Pour l'instant, d'autres vont naître en France. C'est quoi le principe ? Exactement. En fait, le vrai food court au sens propre du terme, c'est le tout premier en France. C'est clairement inspiré du Time Out de Lisbonne, clairement. Il y a d'autres lieux comme ça, mais qui ne sont pas tout à fait des food courts. On a des gros ensembles qui sont tenus par un seul patron qui va créer 15 ambiances différentes. Nous, ici, il y a la Boca et à l'intérieur, 14 restaurateurs indépendants qui ont installé leur corner, qui font leur cuisine, qui ont été sélectionnés pour leur diversité, pour leur savoir-faire, leur sympathie. Voilà, tout un ensemble qui fait que la Boca, ben, c'est ce que vous avez dit, manger, boire, rire. Exactement. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que ce concept, quelque part, il crée un lien un peu nouveau. Et c'est vrai qu'à Lisbonne, ça existe. En Asie, aux États-Unis, il y a aussi ce concept-là. Et finalement, c'est peut-être une nouvelle façon aussi de venir manger. Moi, j'ai été à l'inauguration et j'ai rencontré des jeunes qui me disaient c'est marrant, mais il y a des restaurants dans lesquels on ne va pas forcément parce que ça ne ressemble pas à notre façon de manger. Et ici, on aime bien parce qu'il y a ce côté, on s'assoit avec des inconnus. C'est ça, c'est les nouveaux styles de consommation, comme vous avez des nouveaux styles de consommation dans le vestimentaire où on allait dans des boutiques, maintenant on va sur Internet, on n'a plus forcément envie d'avoir des vendeurs après nous. Mais là, en fait, on peut manger au rythme qu'on veut. Ça fait partie des seuls endroits où on peut, par exemple, manger en entrée des sushis et en plat une côte de bœuf. On peut manger dans l'ordre qu'on veut, à la vitesse qu'on veut. On peut venir ne prendre qu'un seul dessert, qu'une entrée, quatre entrées. On fait ce qu'on veut, on mange ce qu'on veut. Alors il y a aussi un autre concept assez original ici, c'est le principe du cashless en anglais. Parce qu'on parle beaucoup anglais, hein, food course, cashless, ça veut dire en gros qu'aucun moyen de paiement n'est possible, en tout cas pas d'argent sur les boxes, dans les espaces de restauration, il faut charger une carte ou une appli. Exactement, tout se fait en cashless, il n'y a pas d'argent qui circule dans la halle. Il y a le mieux, l'application, c'est le plus simple, le plus rapide. Sur son téléphone, on va télécharger l'application, on crée son compte en trois questions, on charge de l'argent, on génère un QR code, on paye avec, au bar, au mur à bière, parce qu'il y a un mur à bière en libre service avec 8 références, on paye au corner et on recharge au fur et à mesure. Et si on n'a pas trop si on n'est pas trop de la génération smartphone, on peut recharger une carte et tout se passe comme ça. On édite ensuite, c'est reçu directement à la maison, on peut mettre une carte pro, une carte perso. Le système est assez bien ficelé. C'est vrai. Alors en plus, ça tombe vraiment bien au niveau du timing et de la date. Hein. En pleine période de fête de fin d'année, vous allez certainement avoir beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Vous, Alexandre, ce n'est pas votre première aventure dans le commerce, dans la restauration, dans le monde bordelais. C'est une sacrée aventure, celle-là quand même. Parce que là, on est dans un concept un peu incroyable. J'ai fait de très très belles aventures. J'ai partagé de très beaux endroits. Mais là, pour le coup, je pense que celle-là, c'est vraiment la plus belle. Ça a de la gueule, quoi. Tous les matins, vous arrivez, vous dites « punaise, je suis le directeur de ça ». Ouais. Il y avait un petit challenge et je m'étais dit que celle-là, je voulais surtout pas risquer que ça marche et que j'y sois pas. Je voulais vraiment pas la louver, en fait. Et pour l'instant, ça marche pas mal, ça démarre bien. Voilà, faut que ça dure maintenant. Un peu plus de 400 personnes tous les jours, à peu près. Ouais, on est sur une moyenne, effectivement. On est à 300-400 personnes semaine et le week-end, on monte à 600 personnes tout en restant très haut très agréable, la voûte est gigantesque, on est à plus de 8 mètres de haut, presque 1400 mètres de surface,
même avec 600 personnes, 700, ça reste. 700, ça devient un peu serré. 600 personnes, ça devient vrai. C'est vrai, c'est toujours agréable. Eh bien, longue vie à la Boca. Santé Alexandre. Je vous laisse parce qu'il faut que j'aille continuer mes interviews. Vous me le gardez au frais. On va se promener maintenant ici. Et alors, vous l'avez compris, il y a un peu de tout. Il y a de l'asiatique, il y a des produits basques, il y a des desserts, il y a des poissons, des fruits de mer. Et il y a aussi des produits corses, et on va aller à la rencontre du patron. Le patron de ce restaurant, c'est Julien Pandolfi avec son associé Anthony Lucchettic. Alors ici, c'est Cantina. Cantina aujourd'hui, Julien, pour le coup, c'est intéressant parce qu'il y a ici des petits nouveaux. Et puis, il y a des confirmés parce que vous, les restaurants corses à Cantina, il y en a déjà deux dans la ville. C'est ça, on en a deux à Bordeaux, un quartier Saint-Pierre et l'autre quartier des Grands Hommes. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette aventure en plus? Bah, magnifique, comme vous le disiez, des restaurateurs qui sont déjà implantés à Bordeaux, mais plein de petits nouveau, donc ça nous permet de rencontrer énormément de gens et de nouveaux concepts, et ce qui est ça qui est intéressant dans la Boca. Donc on félicite tous ces gens qui sont venus nous rejoindre parce que c'était un pari, et quelque part je pense qu'il y a, vu l'affluence, vous regardez, c'est quand même une belle aventure qui démarre pour tout le monde. Et puis là on est venu proposer un autre concept que dans nos restaurants sur Bordeaux, toujours sur la thématique corse, évidemment nos vins corses, nos apéros autour des produits corses, charcuterie, fromage, etc. Je précise que vous êtes tous les deux, Anthony et vous, originaires de Corse. Donc attention, c'est origine contrôlée. Ah ouais, appellation d'origine très contrôlée. Alors c'est aussi intéressant. Tiens, montrez-nous un petit peu ce que vous préparez. Ça, par exemple, c'est typiquement le plat idéal quand on veut goûter des produits corses, Anthony. Alors bonjour. Alors ici, on a une assiette mixte. Donc vous avez ici des fromages corses. Donc, on a... Ça, je goûte. Hein. Allez-y, goûtez. Allez-y, goûtez, fromage de brebis. Brebis, ici vous avez des petites tomelettes, là de la tome. Ici vous avez prisoutre, donc jambon corse, de la côte, pas du lonzo, de la saucisse ou saucisson. Ici, comme petite confiture de figues et la tapenade. Est-ce que. Avec les amis. Le partage, hein. C'est très corse. C'est marrant d'être avec des Corses en pleine période de fête de fin d'année, parce que Noël en Corse, c'est important. Ah oui, c'est très important, mais écoutez, c'est sacré chez nous, donc. On va en profiter pour rentrer juste un jour, Anthony et moi, juste pour le soir de Noël. Et puis on sera là dès le 25 au soir pour vous accueillir à la Boca. Est-ce que quelque part, par rapport à une aventure solo, comme vous l'avez pu faire dans deux établissements à Bordeaux, et puis je sais que vous en ouvrez un autre à Lyon bientôt, est-ce que le fait d'être ici et de travailler dans cet espace-là, c'est aussi un coussin de sécurité? Parce que finalement, l'union fait la force. Oui, alors... coussin de sécurité, je ne sais pas, mais l'union fait la force, vous avez raison. Et je pense que si chacun pousse au bout son concept, ben ça servira à l'ensemble des restaurateurs ici. Parce que n'oublions pas, nous avons affaire uniquement qu'à des professionnels ici. Donc je tire un grand coup de chapeau à tous les jeunes qui viennent s'installer ici, plus jeunes que nous en tous les cas. Parce que évidemment, c'est un élan magnifique, et pour la ville de Bordeaux, je trouve ce concept exceptionnel. Vous avez été regardant sur les autres box, les autres restaurants qui allaient s'installer, parce que je pense que aussi l'ADN de ce lieu, c'est d'en faire un endroit où il n'y aura a priori pas de grandes chaînes de restauration industrielle que l'on peut voir un peu partout. Je crois que ce n'était pas l'idée en tous les cas des fondateurs de la Boca, et visiblement ils y sont parvenus puisqu'ils ont réussi à charmer les restaurateurs qui sont présents ici, et effectivement on ne retrouve pas d'enseigne présente ici dans la Boca. Très bien. Bon, Julien, vous nous gardez ça hein, de côté. Donc je me rappelle, j'ai un verre de vin là, une assiette corse et les grillades. On arrive avec l'équipe de TV7. Bonne fête. Et à tout à l'heure. Alors on vous l'a dit, il y a des confirmés et puis il y a ce qu'on pourrait appeler des juniors. Des juniors, c'est pas un junior dans son métier, mais c'est sa première vraie belle aventure à Jean-Baptiste Bocchio ici au bistrot du Clos Jean-Baptiste. Alors bienvenue à la Boca, c'est votre premier bébé ici. C'est mon premier bébé, ouais, mon premier restaurant. Après quelques années passées dans la restauration bordelaise, je me suis décidé de me lancer. Exactement, parce que ce monsieur, il a bossé dans des grands noms ici, des restaurants qui ont beaucoup fait parler d'eux, qui parfois n'existent plus, chez Greg ou encore chez Jean Ramé. Vous êtes aussi parti à Shanghai ? Je suis à Shanghai, oui, une expérience pendant 8 mois. Une belle expérience de cuisine du monde, très, très agréable. Mais c'est intéressant parce qu'ici, il y a ce côté un peu cuisine du monde, il y a ce côté un peu voyage dans le même espace. C'est ça qui vous a plu ici ? Tout à fait, tout à fait. Et puis ce concept que je connais à Lisbonne aussi, qui m'avait beaucoup plu. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, pour pouvoir dîner à 25 personnes sans réservation, ici c'est possible. Alors Jean-Baptiste, vous, le bistrot du Clos, c'est du local, de saison, c'est quoi ? Du local, de saison, là on est en plein Saint-Jacques,
Là, vous êtes sur la Saint-Jacques de Saint-Brieuc, le port d'Erquy. Ici, on est sur du poulpe, poulpe frais. On fait beaucoup de cuisine en basse température, où on arrive à avoir quand même des saveurs multipliées par rapport à une autre cuisson plus traditionnelle. Alors parlez-moi un peu de la belle brochette qui est derrière vous, Jean-Baptiste, parce que derrière ça s'active et je pense que c'est aussi ce qui fait la vitrine de ce lieu, de cet espace, c'est-à-dire que on voit tout le monde bosser puisque les espaces sont tout petits quand même. Tout à fait, tout à fait. C'est comme ça, on a vraiment une cuisine fraîche. On est sûr du produit, on nous voit tout le temps travailler. Comment dirais-je, c'est un plus pour le client, je pense. Et ouais, parce que c'est une vitrine. Alors comment ça se passe derrière là? Vous les avez trouvés comment? Comment vous avez mis en place ce casting? Ce casting, Louis, ici présent, est mon second qui me suit depuis pas mal d'années maintenant à Bordeaux. Et quand je lui ai proposé ça, il a vite couru pour venir me rejoindre. Après derrière, j'ai Pierre, un apprenti, qui passe son apprentissage à l'ICFA à Bordeaux-Lac. Et Boris nous a rejoint aussi, qui lui aussi a fait des jolies maisons et arrive de Paris là. ICFA réputée, école réputée, qui dépend de la chambre de commerce et d'industrie. Alors cette aventure, elle a démarré. Vous êtes content aujourd'hui? Vous me disiez juste avant, en préparant l'émission, on est content, maintenant il faut qu'il y ait encore plus de monde. Il y a des jours encore où c'est encore un peu fragile. C'est tout bon commerçant, on n'est jamais content. Il faudrait toujours un peu plus de monde. Et parce qu'aujourd'hui, il faut prendre une part du gâteau. La part du gâteau, on est 14 à se la séparer. Donc il faut qu'il y ait du monde, il faut que l'endroit vive. Alors vous qui avez la bougeotte, qui avez eu beaucoup d'endroits, beaucoup de patrons et qui avez voyagé, est-ce que là vous vous dites, bon, là ça va être une aventure où je vais stabiliser un petit peu? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, j'y crois. Il y a énormément de bureaux qui vont arriver. Il y a plus de 300 000 m² de bureaux qui ouvrent dans le quartier. L'offre pour les restaurants n'était pas à la hauteur du nombre d'habitants. Je crois énormément en ce projet, oui. Il est assez incroyable, hein, ce projet-là. Vous êtes conscient que vous vivez une aventure assez nouvelle en France? Tout à fait, ouais. C'est le premier plus grand food court de France et j'en fais partie, donc j'en suis ravi. Finalement, votre travail, vous vous êtes servi de l'expérience de parfois certains grands chefs qui peut-être avaient des techniques et des méthodes plus à l'ancienne, mais vous les appliquez dans un concept plutôt très moderne. Oui. Bah, on fait ce qu'on appelle la bistronomie, hein, donc des produits quand même... où on peut travailler de la sardine ou un filet mignon, mais un filet mignon, s'il est bien cuit, c'est aussi bon qu'une bonne entrecôte. Alors on a entendu parfois des avis de gens dans les Halles de Bacalan, par exemple, pour parler d'autres Halles qui disaient « oui, les Halles de Bacalan, c'est un petit peu cher, etc. » Vous, votre objectif, c'est de rester sur des plats d'une dizaine d'euros. Moi, je suis... mes plats ne dépassent pas entre 10 et 14 euros. Après, je varie un petit peu plus s'il y a des produits un peu plus nobles sur des suggestions. Mais aujourd'hui, j'ai un plat du jour à 12 euros. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, et longue vie dans cette nouvelle aventure. Vous l'avez compris depuis quelques jours. Et en effet, avec les fêtes de fin d'année, certainement, il y aura de plus en plus de monde, des Bordelais, des gens de la région, mais aussi des touristes. Alors regardez, vous avez vu ici, ça mange, ça picole un peu avec modération, ça déguste. Ça va, mesdemoiselles, messieurs? Vous arrivez de quel coin, vous? Bon appétit. Ah bah oui, à la télé, on a le droit de parler la bouche pleine. Vous arrivez d'où? De Bordeaux. De Bordeaux, vous êtes des confrères, des collègues de bureau? Tout à fait. Dans le coin, là? Oui, sur Bordeaux, sur la Gironde. Alors comment vous avez entendu parler de ces Halles Boca qui sont toutes nouvelles, mesdemoiselles? J'aime bien, ils osent pas parler, ils ont la bouche pleine. On a juste la chance de fournir ce bel endroit, tout simplement. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans un concept comme celui-là, finalement? La convivialité, effectivement, et ce melting pot, cuisine du monde, voilà. Et alors là, par exemple, le principe du food court, c'est que chacun peut aller chercher ce qu'il aime. Vous êtes allé chercher, là, dans différents stands, des choses où vous avez tout pris au même endroit? Là, c'était au même endroit. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez du lieu? C'est super sympa. C'est hyper. Pourquoi? Qu'est-ce qui change? Comment? Qu'est-ce qui change ici? C'est la convivialité, le fait de pouvoir aller justement dans plusieurs endroits. On l'a nulle part. Vous êtes des collègues, vous? Oui. Oh, bah, c'est sympa entre collègues. En fait, vous sortez d'une réunion pour refaire une réunion. Mais autour de la table, et vous le voyez, il y a toutes les générations, les cheveux blonds, les cheveux gris. Hein, ça vous plaît, madame, vous aussi? Très, très bien. Comment vous avez connu cet endroit? Bon, on est déjà venu la semaine dernière. À l'ouverture. Ah ouais, donc vous aimez, quoi? On aime.
Et alors pourquoi vous aimez? Qu'est-ce qui change? Je suis sûr que vous êtes une femme qui aimait la gastronomie française. Oui. Vous connaissez certainement les tables à Bordeaux. Oui, à Bordeaux, je connais. On aime la convivialité, on mange ce qu'on a envie, voilà. Je vous souhaite de bonnes fêtes, merci de nous avoir répondu. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette année. Society vous emmène à chaque fois là où il se passe quelque chose. Bah, promis, en 2019, on vous emmènera encore là où il se passe quelque chose. Bonne semaine, salut.